Salut tout le monde, ici Yakipon de retour sur Undertale et nous cherchons un point de sauvegarde la semaine dernière. Donc j'étais un peu obligé de couper en plein milieu. Ah ben voilà un. Voilà. Donc ben, nous avons bien vu, regardez, il y a écrit The End. Donc c'est la fin. C'est parti. Ah donc en fait, Asgore, on l'a pas tué donc on. C'est avant. Donc il faut que je refasse le combat peut-être. Quelle voix on lui avait donné? Ah oui, Stéphane Bern, je crois, non? C'est la barrière! Je sais plus quelle voix on lui avait donné. C'est ce qui nous retient du souterrain. Oui, c'est un truc de genre. Et si par chance, tu as un business qui n'est pas terminé, fais ce que tu as besoin, fais ce que tu as à faire. Non, je continue. Je vois. Donc c'est maintenant. Le grand moment. Tu es prêt? Eh oui, obligé. Hein. Allez, c'est parti. Oh. Une étrange lumière remplit la salle. Le crépuscule est en train de briller à travers la barrière. On dirait que ton voyage est enfin terminé. Tu es rempli de détermination. Humain, c'était super cool de te rencontrer. Adieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, non! Ah oui, c'était ça. Attends. Ah merde, je vais devoir refaire des voix qui datent. Quelle misérable créature! En train de torturer un innocent petit enfant. N'aie pas peur, mon enfant. C'est moi, Toriel. Ton ami et ton gardien. Au début, je pensais que je te laisserais faire ton voyage tout seul. Mais je n'arrêtais pas de me faire du souci à ton sujet. Ton aventure a été très trachéique. Non? Très charou, je sais pas ce que ça veut dire. Et enfin, ça t'a amené. Quoi? Ça t'a amené à faire un terrible choix. De quitter cet endroit. Si tu voulais quitter cet endroit, il fallait que tu prennes la vie d'une autre personne. Et tu aurais peut-être, même sûrement, tu l'as déjà fait, mais on passe ce point du scénario. Tu es Asgore. Cependant, j'ai réalisé. Que je ne pouvais pas laisser ça se passer, pardon. Ce n'est pas juste de sacrifier quelqu'un juste pour avoir pour que quelqu'un s'en aille. Oh là là. Est-ce que ce n'est pas ce dont j'ai prévenu, ce dont j'étais prévenu depuis tout ce temps? Donc pour maintenant, il faut que nous suspendions ce combat. Même si Asgore est terrible et qu'il desserve aussi de la pitié. Oh là là. Tori. Tori, tu es revenu. Ne me tori pas, espèce de dreamer. Espèce de pathétique whelp. Whelp, je sais pas, mais ça doit être un truc plutôt sympa, on va dire. C'est genre, au lieu de dire espèce de terrible enculé, ben, dire espèce de terrible salopard. Diantre. Si tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment libérer ta. Si tu veux vraiment libérer ta race. Donc les monstres, quoi? Tu aurais pu aller à travers la barrière juste avec une âme. Avoir 6 âmes des humains et après revenir pour les. Pour nourrir les gens. Putain, de paix. Mais à la place, tu as fait. Tu as fait que tout le monde vit dans le désespoir. Tout simplement. Attends, j'ai du mal à traduire parce que l'histoire est assez complexe. Parce que je voudrais savoir ici. Mikli. En fait, il attendait que qu'un autre humain arrive parce qu'il n'arrivait pas à faire un choix. Tori. Tori, tu as raison. Je suis une misérable créature. Mais je suis heureux, regarde. Mais. Tu penses que l'on peut être amis à nouveau? Non!
Asgore. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Asgore, l'humain. Personne ne se bat, d'accord? Tout le monde va être ami, ou sinon je vais... Salut, je... Coucou, c'est Auriel. Est-ce que tu es l'ami de l'humain? C'est cool de te rencontrer. Ok. Salut. Ravi de te rencontrer. Hé, Asgore, est-ce que c'est ton ex? Oh mon dieu, c'est dur, mec. Personne ne va se frapper, d'accord? Oh, est-ce que tu es un autre ami? Je suis Toriel, coucou. Salut. Est-ce qu'il y en a deux? Personne ne va se battre. Si quelqu'un se bat, si quelqu'un combat quelqu'un, eh bien après je vais être forcé de demander à Undine de l'aide. Oh mon dieu, cette tête qu'il a. Coucou. Coucou, votre majesté. L'humain, est-ce que Asgore il s'est rasé et s'est cloné? Sérieux quoi? Eh, les amis, ça va? Cette voix. Coucou. Je pense que qu'on se connaît, non? Oh, je reconnais ta voix, toi aussi. Je suis Toriel. C'est insupportable. Oh putain. Je suis ravi de te rencontrer. Mon nom c'est Sam. Et je... pareil. Oh, attends, mais... Est-ce que ça doit être ton frère, Papyrus? Enchanté, Papyrus, c'est trop cool d'enfin te rencontrer. Ton frère m'a tellement dit de choses à ton sujet. Je peux pas croire que Asgore s'est cloné dans une... clone... Attends, Asgore se clone... Ah, je ne peux pas croire que le clone d'Asgore sait qui je suis. C'est le meilleur jour de ma vie. Hé, Papyrus. Oh non, c'est une blague avec les squelettes encore. Qu'est-ce qu'un squelette met sur son toit, en gros, je crois, non? Des tuiles anti-neige? Non, espèce d'idiot. Un squelette met des tuiles sur son toit avec des shingles. Je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Je sais pas le traduire, désolé. J'ai changé d'avis. C'est le pire jour de toute ma vie. Viens, Asgore, ça va être cool, ok? Il y a plein de poissons dans l'océan, hein? Eh oui, Asgore. Undyne, elle a complètement raison. Putain, le doublage de merde, quoi. Des fois, tu as juste besoin de... De merde. De pourchasser des... Des monstres poilus, Fury Boss Monster. Et de juste savoir à quel point... Quoi? Juste de connaître le poisson qui est mignon? C'est une métaphore. What the fuck? Ouais. Je pense que c'est une belle analogie. Oh mon dieu! Il est là! Mais je sais plus quelle voix je lui ai donné. C'était Michael Jackson, mais je sais plus quelle voix je lui avais donné. Est-ce que tous les deux, vous allez vous embrasser? L'audience... Bon, on va lui donner la voix de l'ancien, mais t'attends. L'audience est en train de crever pour avoir de l'action romantique. Hé, hey, tais-toi! Oh mon dieu. Mec, les nerfs de ce mec. Pas vrai, Alphys? Alphys? Non. Il a raison. Il faut le faire. D'accord. J'imagine que si tu veux qu'on le fasse, eh bien, il faut pas le retenir. Le bisou. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, pas en face de l'humain. Eh oui, tu as raison. On s'est senti un peu trop emporté là. Mon enfant, on dirait que. On dirait que si tu restes ici pour un moment, mais...
Regarde tous les amis que tu t'es fait. Je pense que tu seras heureux ici. Ça me rappelle. Papyrus, tu as appelé tout le monde ici, pas vrai? Mais d'un côté, mais pas elle. Dans tous les cas, si je suis là avant toi, comment tu sais... Attends. Comment tu sais comment appeler tout le monde? Et je vais le dire. Une petite fleur m'a aidé. Une petite fleur? Oh merde. Mais il est trop con, Papyrus. Ah, la floue. Bande d'idiots. Pendant que vous êtes en train de faire votre powwow. Powwow, ça doit être votre popote, hein, je pense. J'ai pris toutes les âmes humaines. Et maintenant... non seulement... elles ne sont pas... Y a pas que elles, en fait, qui sont sous mon pouvoir. Mais toutes les âmes de tes amis vont être les miennes aussi. Et tu sais quelque... Et tu connais le meilleur... la meilleure partie de tout ça? C'était ta faute. Tout ça parce que tu les as fait t'aimer. Tout le temps que tu as passé à les écouter, à les encourager. À faire attention à eux. Sans ça, eh ben ils auraient jamais dû être là. Et maintenant, avec toutes leurs âmes et les humains ensemble, je vais achever ma vraie forme. Hein? Pourquoi je suis toujours en train de faire ça? Tu n'as pas compris? C'est juste un jeu. Et si tu t'en vas avec le souterrain? Qui est satisfait, tu ne vas jamais gagner le jeu. Et si tu gagnes, tu ne voudras plus jamais jouer avec moi. Et qu'est-ce que je vais faire alors? Mais ce jeu entre nous ne s'arrêtera jamais. Je vais tenir la victoire juste en face de toi. Et je vais la déchirer juste avant que tu puisses la voir. Encore et encore et encore. Écoute, si tu arrives à me tuer, je te donnerai la happy ending. Et je te rendrai tes amis. Et je détruirai la barrière et tout le monde sera enfin satisfait. Mais ça n'arrivera jamais. Je vais te garder ici, quel que soit le choix que j'ai à faire. En fait. Oh là là. Oh non. Même si ça veut dire te tuer des millions de fois. Voilà. Quoi? N'aie pas peur, mon enfant. Peu importe ce qui va arriver, on sera toujours là pour t'aider et te protéger. Waouh, le pouvoir de l'amitié, quoi. C'est vrai, humain, tu peux gagner. Il faut juste que tu fasses ce que tu as à faire. Et crois en toi. Si t'as réussi à me tuer, tu peux tuer tout et n'importe quoi. Non, ne t'inquiète pas, on est avec toi, quel que se passe. Est-ce que tu l'as... Attends, hein? You haven't beaten this guy yet? Attends, tu n'as toujours pas battu ce mec? Allez, espèce de taré, on est tous là pour toi. Waouh, il me rend de la vie et tout. Et il me protège. Techniquement, c'est impossible pour toi de le tuer, mais d'une quelconque façon, on sait que tu peux le faire. Humain, pour le futur des humains et des monstres, tu as besoin de rester déterminé. Oh là là, il y a tête d'omelette, il y a tout le monde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là 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 là, tu peux le faire, ah, il y a ma fête. Non!
C'est incroyable! Ça ne peut pas se passer comme ça! Tu... You are all idiots? Non, c'est pas ça. Je ne peux pas croire que vous êtes tous... que vous êtes tous si stupides! Toutes vos âmes sont miennes! Holy shit! Qu'est-ce qui se passe encore, hein? Il y avait tête d'omelette! Ok. Qu'est-ce que... C'est quoi, ça? Oui, bonjour. Allô? Coucou? Mais qu'est-ce qui se passe? Merde. Finalement? J'en avais marre d'être une petite fleur. Merde. Oh, cette tête! Il est ignoble! Ah, c'est bon. Coucou! Y'a qui? Tu es là? C'est moi, ton meilleur ami! Oh merde! Azriel Dreamer! Ah, mais attends, mais Azriel, c'est pas le fils de Toriel et de. Oh merde! En fait. Nous allons avoir de l'espoir. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, oui, ben. Wow, 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 wow! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Holy shit! Oh merde, j'étais touché. Azriel... Charge... Il est en train de charger un truc. Last Dream. Merde! Je me suis trompé. Tu sais, je m'en fous de détruire ce monde maintenant, en fait. Ok, il s'emballait. Oh, mais c'est super dur. Bon. Ben, je vous ai dit que c'était le dernier... Ben, c'était le dernier boss. Et après que je t'ai tué, je pourrais avoir le contrôle sur tout. Toute la timeline, c'est le temps, en fait. Et je vais tout reset. Ah, je vais tout remettre à zéro. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Même le jeu, il lag tellement il y a des trucs. Et tout ton progrès va être effacé. Tu vas disparaître des mémoires des gens. Je vais tous les remettre à zéro. Bon, en fait, pour la petite histoire, je vais vous le dire pendant que je suis en train de me foutre sur la... Même s'il y a au taquet de bruit derrière, je vais vous dire ce qui se passe. En fait, Azriel est l'enfant qui nous a... qui a ramené un humain chez les humains et qui a été tué. Vous savez l'histoire qu'on a eue avant d'aller voir Asgore. C'est lui, en fait. C'est leur enfant. C'est l'enfant d'Asgore et de Toriel. Voilà, qui s'appelle, si je dis pas de conneries, bah Azriel, voilà, c'était écrit. Et en fait, Azriel, je pense que l'âme d'Azriel a été transférée dans un monstre, comme l'expliquait Alphys tout à l'heure dans son laboratoire. Et malheureusement, bah, il est devenu, voilà... Désolé, j'étais tellement concentré. Donc voilà, en fait, Azriel... mais il a refusé. C'est la fin. Ok. D'accord. Ok. Donc en fait, voilà, maintenant il faut que, maintenant qu'il a récupéré des âmes de monstres et d'humains, eh bien il faut que, qu'on l'arrête tout simplement. Et c'est le dernier boss du jeu, et il est très compliqué, et je risque de faire pas mal de game over, mais le game over n'existe pas contre ce boss. Enfin bref.
Holy shit! Ok. Nous allons avoir de l'espoir. Et après... Attends, and then you will lose to me again. Et après, tu vas encore perdre contre moi. Salaud. Ah, le jeu, il lag à mort. Putain, c'est incroyable. Et toujours. Donc, en fait, il dit que je vais toujours perdre contre lui, quoi. Bon, là, je me suis mis en plein dedans. Quoi. Et encore! Donc, en fait, il... voilà, c'est... Enculé! Wouh! Parce que tu veux ta meilleure fin? Bah oui, je veux la meilleure fin. Je suis un tryharder. Qu'est-ce que tu veux que je me contente d'une fin moisie, moi? Je suis en train de prendre des dégâts, mais alors, insupportable. Oh là là. Oh là, la tarte! Non, ça a rien fait. Bon, d'accord. Parce que tu aimes tes amis. Bah oui, évidemment. Ok. Les dommages sont réduits. Parce que tu n'abandonneras jamais. C'est la meilleure musique du monde. Apparemment, mes rêves seront ma chute. Mais t'es obligé de t'en bouffer, en fait. Bon, maintenant, arrêtons de faire des conneries. Je vais te purger et... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis attiré par là-bas. Il me reste un point de vie! Même après cette attaque, tu es là en train de te tenir devant moi. Waouh, tu es vraiment quelque chose de spécial. Mais ne sois pas si présomptueux, je pense. Mais là, je n'ai toujours pas mis mon vrai pouvoir. On va voir qu'est-ce que ta détermination peut faire contre ça. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il est très violent ce boss. Oh là là! Asriel bloque le chemin. Je peux pas me soigner, je peux rien faire. D'accord, très bien. Ouais, voilà, c'est je ne peux pas bouger. Ah, maintenant on fait face à mon vrai pouvoir. Je croyais qu'on pouvait pas bouger. Oh là là, bon, Asriel bloque le chemin, struggle. Je peux le sentir, toutes ces fois où tu meurs, tu t'agrippes à ce monde qui est en train de se barrer en couille. À chaque fois que tu meurs, tes amis t'oublient de plus en plus. Ta vie va finir ici, dans un monde où personne ne pourra se souvenir de toi. C'est un peu dur à éviter, ça. Tu es encore en train de t'abstenir. C'est pas grave. Dans quelques moments, tu vas tout oublier, toi aussi. Cette attitude va te servir dans ta prochaine vie. Putain, mais c'est super dur à esquiver, ça. Je sais que je peux pas mourir, mais quand même. Ah, tu es toujours là. Allez, montre-moi ce que ta détermination donne. Ok. Ah, tu ne peux pas bouger ton corps. Mais rien ne se passe. Tu as essayé d'avoir ton,
ton fichier de sauvegarde, mais rien n'y fait. Tu as encore essayé d'avoir ton fichier de sauvegarde, mais rien ne se passe. Apparemment, sauvegarder le jeu est vraiment impossible. Mais peut-être, avec ce petit pouvoir que tu as, tu peux sauvegarder quelque part. Oh ! Je vais sauver tout le monde ! Ils sont par là, pas vrai ? Dans les profondeurs de l'âme d'Azriel, il y a quelque chose qui résonne. Ah putain, c'est Undyne. Act, Lost Soul. Je vais faire exprès de la taper. Ah ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Tous les humains doivent mourir. En fait, faut leur rappeler qui ils sont, je pense. Ouais, c'est faut faire ça en fait. Je continue. Ah, ça y est, c'est revenu. Coucou. Ouais, tous les humains sont cool, j'imagine. Ok. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais... Allez, maintenant nous allons sauver Alphys. On va faire un quiz. Tu me détestes, pas vrai? Bah non. Peut-être nerd avec elle. Ah, c'est bon, c'est ça. C'est faut que je lui dise... Faut que je lui fasse sortir son... Voilà, son putain de cartoon. Non, c'est vrai. Mes amis m'aiment et je t'aime toi aussi. Ok. Alors, la suite. Papyrus. Allez, on peut le faire. Lui, je vais le puzzle. Ouais, il veut vraiment m'aider. Je vais devoir capturer l'humain. Merde. Ah putain, j'ai vraiment du mal avec ce corps bleu. Donc lui, je le puzzle encore. Ok. Je vais le repuzzle. Ah non, un truc de... Ouais, voilà, de la nourriture. Ah, ben voilà, je suis trop con. Ah, cool. Oui, oui, je sais, je suis votre ami, là, là, là. Allez, maintenant on va sauver Toriel. Coucou. Ah, c'est les deux en même temps, d'accord. Je vais lui faire un câlin. Ouais, voilà. Et à cette âme, je vais lui faire de la merci. Voilà. Oh, je peux appeler quelqu'un d'autre. Étrangement, tous tes amis se souviennent de toi, mais il y a quelque chose qui est en train de résonner avec l'âme, qui est de plus en plus fort. On dirait que c'est une dernière personne qui a besoin d'être sauvée. Mais qui ? Soudainement, tu réalises que tu as appelé son prénom. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?
Moi, je sais. Et oui, quand on est tombé, il y a Toriel qui est venu nous chercher. Ah non, non, c'était pas Toriel, ben c'était Azriel. Qui a sauvé un humain. Qui l'a ramené chez lui. Et depuis, ils étaient super amis. C'était les deux enfants du roi et de la reine. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ce sentiment? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non! Je n'ai besoin de personne! J'ai survécu, s'il te plaît. Quoi. Arrête! Sors de là! Tu m'entends? Je vais te déchirer! Yaki! Tu sais pourquoi je suis en train de faire tout ça? Pourquoi je suis en train de continuer de me battre pour te garder ici? Ouh! Je fais tout ça parce que tu es spécial, Yaki. Ben, je le savais, mais personne ne veut me croire. Tu es le seul qui me comprend. Tu es le seul qui a envie de jouer avec moi. Enfin, je crois. Je crois que j'ai mal traduit, mais c'est pas grave. Non, ce n'est pas juste ça. Je fais ça parce que je tiens à toi. Oh mon Dieu, c'est la première fois que j'entends ça. Non, je déconne. Je tiens à toi plus que tout au monde. Je ne suis pas prêt pour cette fin. Je ne suis pas prêt de te laisser. Je ne suis pas prêt pour dire au revoir à quelqu'un comme toi. Bon, ok, là par contre c'est triste. Je déteste ce genre de phrase. Donc s'il te plaît, arrête de faire ça. Et laisse-moi juste gagner. Ma vie, quoi. Arrête. Arrête maintenant. Tellement de zéro. Yaki. Je suis tellement seul. J'ai tellement peur. Je... Tellement triste. Je suis désolé. J'ai toujours été un enfant qui pleure, pas vrai? Je sais, tu n'es pas vraiment Yaki, je sais. Yaki est parti il y a un long moment. Mais... quel est ton prénom? Frisk. C'est un joli nom. Frisk. Je n'ai pas ressenti quelque chose... Attends. Je n'avais rien ressenti de tel depuis un bon moment. En tant que fleur, je n'avais pas d'âme. Et donc, j'ai pris... J'avais plus le pouvoir d'aimer quelqu'un. Cependant, avec une âme de quelqu'un en moi, je n'avais pas ma propre compassion. Mais je pouvais ressentir les autres monstres. Et ils semblaient tenir les uns à l'autre. Et ils tenaient à toi aussi, Frisk. Je souhaite que je pourrais un jour te dire ce que je ressens. Papyrus, Undyne, Nightfist, Toriel. Les monstres sont bizarres. Même si ils te connaissent à peine, on dirait qu'ils t'aiment déjà beaucoup. Frisk, je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je comprends si tu me détestes. J'ai fait des choses horribles et bizarres. Je t'ai blessé. J'ai blessé tellement de gens.
des amis, de la famille, des gens. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Mais oui, je te forgive. On est dans un Pacifique. Quoi ? Frisk, allez. Tu vas me faire pleurer encore. Mais d'un autre côté, même si tu me pardonnes, je ne peux pas garder toutes ces âmes en moi. La dernière chose que je peux faire, c'est de les rendre. Mais d'abord, il y a quelque chose que j'ai à faire. Maintenant, je sais que tous les cœurs que j'ai en moi sont en train de battre à l'unisson. Ils sont en train de brûler du même désir. Et avec ce même pouvoir, avec le pouvoir de tout le monde et avec la détermination de tout le monde, c'est l'heure pour les monstres de se libérer. Ok. La musique, elle a été très mal placée là. Et voilà. La barrière est détruite. Le barrière a été détruite. Poup. C'est touchant cette histoire. Frisk, maintenant je dois y aller. Et sans le pouvoir de toutes les âmes, je ne peux pas garder cette forme longtemps. Donc dans un petit moment, je vais retourner à l'état de fleur. Et j'arrêterai d'être moi-même. Je vais arrêter de pouvoir ressentir de l'amour. Donc Frisk, c'est la meilleure chose si tu m'oublies maintenant, d'accord? Donc va avec les gens que tu aimes et qui t'aiment. Oh, le petit câlin. C'est super triste. Je ne veux pas partir. Frisk, tu es... tu vas faire de grandes choses, tu sais. N'importe ce que tu fasses, tout le monde sera là pour toi, tu sais. Ok, c'est pareil. Bon. Mon temps est imparti. Adieu. By the way. Ah, au fait, je pense. Frisk. Prends soin de maman et papa pour moi, ok? C'est très poignant, hein? Frisk. C'était juste un mauvais rêve. S'il te plaît, réveille-toi. Ah là là. Oh, tu es réveillé. Merci les dieux. On avait tellement peur. On pensait que tu étais parti pour toujours. Ouais. Un peu plus et je pense que j'aurais commencé à flipper. Dis-nous la prochaine fois que tu veux faire une sieste, ok? Ouais, tu as fait que Papyrus pleurait comme un bébé. Non, j'ai pas pleuré, je ne peux pas pleurer. J'avais juste quelque chose dans mes yeux. Qu'est-ce que tu as attrapé? Des larmes. Maintenant, la plus grande importance, c'est que Frisk soit bien. Allez, Frisk, est-ce que tu veux venir boire du thé? Ça va te faire... tu te sentiras mieux. Et
si on lui donnait un peu d'espace d'abord? Il doit être vraiment exténué. Cependant, je ne suis pas certain de ça. Frisk, on ne se rappelle pas vraiment ce qui s'est passé. Il y avait une fleur et après, tout est devenu blanc. Mais maintenant, la barrière est disparue. Quand tu seras prêt, tu pourras retourner à la surface. On dirait que cette porte à l'est va nous amener vers là-bas. Mais d'abord, peut-être que tu as besoin de faire une petite balade. Comme ça, moi, tu peux dire au revoir à tous tes amis. Fais comme tu veux. On sera là à t'attendre. Oui, bah fuck off, on s'en va. Ça va. Je suis prêt. Nous quittons le jeu et nous le finissons. Ah là là. Eh ben non. Vous avez cru qu'il y allait voir écrit Undertale. Oh non. Est-ce que ce n'est pas super beau? Wow. C'est encore mieux que ce que tu vois à la télé. C'est tellement mieux. Tellement mieux que je ne l'avais imaginé. Frisk. Tu vis avec ça? Ce rayon de soleil est tellement bien et l'air est tellement frais. Je me sens vraiment vivante. Et sans... C'est quoi cette grosse boule? On appelle ça le soleil, mon ami. Comment il parle? C'est le soleil? Waouh! Je peux enfin rencontrer le soleil! Je pourrais rester ici et regarder ça pour des heures. Oui, c'est très beau, n'est-ce pas? Mais je pense que nous devrions... penser à ce qui va nous arriver. Oh, tu as raison. Tout le monde, c'est le début d'un nouveau futur. Une ère de paix entre les humains et les monstres. Frisk, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que... Oh mon dieu. Est-ce que tu vas être l'ambassadeur des humains? Busy ambassadeur, ou si tu veux, je m'en fous. Oui, Frisk va être l'ambassadeur. Et moi, le grand papyrus, je serai la meilleure mascotte. Je vais faire des... Ah. Je ferai une bonne impression. Ok, il s'en va déjà. Ouais. Je pense qu'il faut que j'aille le surveiller. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le surveiller. A plus. Mais il va dans l'autre sens. Wow! Est-ce que j'ai besoin de faire tout? Quoi? Papyrus, attends! Ah non, c'est... En fait, il envoie l'autre. Il envoie Undyne le voir, en fait. Et Undyne, attends-moi! Whoops. Pourquoi whoops? Est-ce que je dois faire quelque chose? d'accord, je vais... J'y vais. Cette tête qu'elle a tirée. On dirait que c'est... que tout le monde... Je sais pas, Igor, excuse-moi, je sais pas ce que c'est, mais... Je pense que c'est... On dirait que tout le monde... est en joie de faire ce qu'il fait. J'espère que c'est ça. Frisk, tu es venu de ce monde, pas vrai? Donc tu as sûrement un endroit où tu dois retourner, non? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, bon allez, on va dire qu'on reste avec elle et puis elle sera contente. Quoi? Frisk, tu es vraiment un enfant très drôle. Si tu avais dit ça avant, tout ceci ne serait pas arrivé. C'est une bonne chose que tu n'aies pas changé d'avis. Bon, je suppose. Si tu n'y as pas d'autre endroit où aller, je vais faire de mon mieux pour prendre soin de toi pour tout le temps que tu as besoin. Pas vrai? Maintenant, viens. Oh là. Je te vois, quoi. Elle est tellement partie en couille. Et tout le monde nous attend.
Et voilà. J'ai enfin terminé Undertale. De moi-même. Ta 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 pa 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 la la ma la la pa 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 ma la. Bon voilà, donc c'est la fin de Undertale et j'espère que ça vous a plu. J'espère que l'histoire vous a pris à cœur autant qu'elle m'a pris à cœur. C'est particulier, hein, mais voilà. Donc j'espère que vous êtes vraiment amusés et que... Et qu'une nouvelle aventure va prendre suite, c'est sûr, mais j'espère que vous l'aimerez autant. Et que vous la suivrez autant. Et voilà, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, en fait. Je vais attendre tranquillement la fin des crédits et... Et voilà, j'étais super content d'avoir fait ce jeu. Voilà. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont assez de... Comment ça s'appelle, hein, qui ont assez de talent pour faire un jeu aussi bien, quoi. Certes, il a été aidé, mais enfin, c'est une petite équipe, quoi. Ils ont... C'est un style assez particulier, mais... Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé vraiment très cool, quoi. Onion-san! Oh là là. Oh, Undyne a la fin, bisou. 9-9-9-9. Oh mon dieu, elle est en train de tout détruire. Ah, je suis vraiment content d'avoir fait ce jeu. Temi. Ta 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 ta. Ah, je sais pas si vous le savez, je vous le dis, si vous avez aimé, il va exister un 45 tours de l'OST de... Comment ça s'appelle, d'Undertale. Voilà. Franchement, j'hésite à me le prendre parce que j'adore l'OST de ce jeu, quoi. Il est juste génial. Putain. Je me suis tellement éclaté à écouter ces musiques. Ah là là. C'était quand même très triste comme histoire. Monster Kid, non, c'est tête d'omelette. Elle est devenue maîtresse d'école? Bah dis donc. Putain, il me tarde de savoir si un jour il va faire la suite. Et ouais. C'était pas la fin. Tu pensais vraiment que c'était fini? Je veux dire, on n'a même pas fait les remerciements spéciaux. Tu es prêt? Allez, maintenant on va finir ça pour de bon. La 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 la
Ça, en fait, c'est tous les gens qui ont donné, si je dis pas de conneries, qui ont donné ou qui ont aidé Toby Fox à réaliser ce jeu, en fait. Voilà. Je crois que c'est ça. Et il te le propose en forme de mini-jeu, ce qui est plutôt sympa. Je sais pas trop quoi vous raconter d'autre, en fait, c'est fini et... Et j'avoue, ouais, la fin du jeu me parle un peu quand même, donc bon, c'est particulier, on va dire. C'est pour ça, je suis encore un peu sous le choc, on va dire. Voilà. Ah là là. Franchement, j'espère qu'un jour, il y aura une suite... Mais genre une vraie, quoi. Voilà, voilà. C'est terminé. Bon. Ben... Je vous remercie encore d'avoir... d'avoir suivi... ce let's play avec moi. J'espère que vous allez vous amuser pour les prochains, et... De toute façon, on se revoit vite, hein. Je vais pas abandonner le let's play maintenant. Et voilà, une petite part de tarte. Voilà, voilà. Bon, bah, que vous dire de plus? À part, je vous fais des gros bisous et... Et je vous dis à très vite et... Bye bye.